Chers amis, bonjour. Je suis devant le château d'eau de la cité Chanteloup. Et en passant, j'ai fait un triste constat, c'est-à-dire qu'il y a des arbres au sol qui, comme vous le voyez, ont été abattus. C'est coupé net. Et voilà. C'est au sol, il y en a un là. Il y en a un deuxième un peu plus loin. Voilà. Et alors ce château d'eau là, celui-ci, est un vestige de l'usine Idéal Standard, qui était une entreprise de radiateurs. Il faut savoir que la municipalité n'a plus les moyens de l'entretenir, il coûte trop cher. Alors il est décoré, certes, mais les fers qui le tiennent sont a priori rouillés. Et paraît-il qu'il est en train de pencher dangereusement. Ils vont donc le faire tomber, ils vont le démolir. Voilà. Si je peux me permettre de faire une simple suggestion, ce serait pas mal que la mairie mette un panneau avec une photo de ce château d'eau pour expliquer ce que c'est, ce qu'était le château d'eau, à quoi il servait. Il est juste à côté de la salle des fêtes qui est ici. Là, elle est là. Et vous avez là ici, sur le mur, une fresque murale. Je vous en ai fait une photo qui sera sur le blog Olney Cap, sur le mur Facebook. Cette fresque a été faite par les jeunes de la cité Chanteloup. C'est vraiment un beau travail. Bravo. Bon voilà, c'était tout. Un simple constat de l'état des lieux au pied du château d'eau. Voilà. À bientôt.